Quand t'es petit, on te demande ce que tu veux faire plus tard. Et plus tard on te dit, tu fais pas ce que tu veux dans la vie. J'aime pas me sentir contraint dans les œillères de ton regard. Je te demande pas de me convaincre quand je te demande ton avis. Le nom des enfants de tes potes ressemble au nom du chien de mes potes. Génération besoin de déconstruire, bienvenue dans la nouvelle époque. Pour mieux aller vers l'avenir, autant en comprendre les codes. Si tu veux te préparer au pire, viens faire un tour dans les écoles. Inéquité sociale, Gilles de la Tour et de ses précoces. Pour entrer en maternelle, à quoi ça sert d'être propre si c'est pour qu'au final, pour les parents comme pour les gosses, ça devienne naturel d'aller caguer sur les profs qui fixent les règles quand je les trouve bêtes. J'essaie de m'en arranger, mais si c'est juste pour m'arranger, alors j'essaie de pas être trop bête. Tout ce temps passé dans des calculs pour pouvoir en faire qu'à ma tête. Y'a que pour enfoncer des portes ouvertes, ça sert à rien de prendre du recul. J'ai voulu faire des études pour trouver un métier, puis j'ai pas trouvé, j'ai fait le métier qu'on fait pour payer ses études. Quelle chance depuis que ma passion est devenue mon métier. Bah je fais tous les métiers pour pouvoir vivre de ma passion. De façon les anciens disent que l'important c'est de travailler. Ok mais quelle surprise, ils se plaignent souvent de travailler. Du coup les jeunes n'ont rien contre, mais voudraient moins travailler. Et les anciens veulent pas, donc on trouve plus pour travailler. Les anciens aiment la carrière, l'argent, la sécurité. En gros tout ce qui divise les gens et les amène à s'embrouiller. Les jeunes veulent du sens, du plaisir, de la liberté. Aussi névrosés que leurs parents, sauf que ils savent en parler. Fallait attendre qu'on mette au point l'intelligence artificielle pour que l'humain accepte enfin de parler de ses émotions. Tout le monde a un psy ou le devient, aime le développement personnel. Mais qui de la victime ou de l'agresseur perd à la consultation. Tiens, on embrasse la classe moyenne à la réussite insolente. Alors ça fait quel effet de plus faire aucun effort. T'auras beau en donner des centaines, tu ne réponds qu'à un seul ordre. Fort avec les faibles, faible avec les forts. J'ai remarqué que les beaufs me prennent souvent pour un bobo, et que les bourgeois me prennent pour un saltimbanque. Que mes potes me voient comme un chef d'entreprise, alors que les entreprises croient que je suis tout le temps en vacances. À chaque personne son combat, si t'es pas pour, t'es un pourri. Vertueux car c'est à la mode. Puis chacun compte ses torts, que tu prennes position ou pas, on t'accusera d'hypocrisie. Est-ce qu'un jour un artiste engagé deviendra un oxymore? Allez dis-moi que t'es pas un mouton, c'est que t'es le mouton de ton troupeau. Pas assumer sa condition, c'est prêcher le vrai pour être dans le faux. Confond pas leader d'opinion et laveur de cerveau. Si je veux être sûr d'avoir raison, je dis que je mets pas de crème dans mes carbos. Ou comme tout le monde je cite Coluche pour me donner du crédit. Y'a ceux qui préfèrent des proches pour l'illusion du trait d'esprit. Et si Coluche voyait ça, c'est sur nous qu'il aurait écrit. Cri des proches, c'est comme le sexisme, je trouve que ça a mal vieilli. Plus les choses sont relatives, plus on se crée des évidences. Y'a des fous qui croient encore qu'être homo c'est de la folie. Au propre comme au figuré, j'adore les doubles sens. J'ai peur du vide en hauteur et quand il se passe rien dans ma vie, j'ai pas honte de ce qui paraît étrange, paradoxe et contradiction. C'est l'amour du vivre ensemble que souhaite proposer mes satires, comme tout le monde selon ce qui m'arrange. Je ferai le choix du dicton entre qui se ressemble s'assemble et les opposés s'attirent.